Un parcours très exigeant aussi bien au niveau physique surtout. C'est certainement le plus compliqué de l'année. Après il est exigeant quoi, il faut avoir un bon rythme tout le long. Une voiture qui marche très bien, il faut que tout soit vraiment présent ici pour faire un bon chrono quoi. Il y a déjà un tracé très lent en bas avec beaucoup d'épingles, des virages en deuxième, troisième. Et après on rentre dans cette partie rapide où il y a le belvédère qui comme à la dernière montée était ensoleillé quand on arrive. Donc c'est vraiment deux rythmes différents entre la partie haute et la partie basse. Les virages qui sont plus exigeants que ceux de bagnole. Bagnole, il y a beaucoup de virages où la voiture est ralentie. Là, c'est vraiment des grandes courbes. Dans le haut, c'est des grandes enfilades en cinquième. Ça, c'est beaucoup plus exigeant que bagnole, quoi.